Le futur s'annonce incroyable, Bruno, MAPR6, fait une les soupçons de rupture avec Alicia relancée. Une rencontre comme un conte de fées. Dans la dernière saison de Mariés au premier regard. Deux couples sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Pauline et Damien dont l'alchimie a été évidente dès les premières secondes. Et Alicia et Bruno. La ravissante infirmière et l'ingénieur d'origine portugaise. Ont vécu un rêve éveillé, ne se cognant parfois qu'à de rares obstacles vides écartés de leur chemin. Karine, la sœur de Bruno un brin possessive a fini par accepter de partager son frère avec Alicia, faisant d'elle une chère complice. Un événement a toutefois secoué très récemment le couple. Alicia dont la santé est fragile depuis l'accident de la route qui a coûté la vie à sa sœur. A été hospitalisée plusieurs jours. Un mal pour un bien car la jeune femme a découvert que le traitement qu'elle suivait depuis plusieurs années n'était pas le bon, pendant ces temps. On me disait que c'était des douleurs des suites opératoires à cause des adhérences et on me prescrivait tout ce qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, on pose enfin un vrai nom sur le problème. A-t-elle déclaré expliquant être atteinte d'une dysfonction odienne. Maladie complexe qui touche le sphincter, note de la rédaction. De quoi bouleverser le couple, et le fragiliser dans l'épreuve? En tout cas de nombreux internautes ont manifesté leur inquiétude alors que le couple d'ordinaire fusionnel se montrait plus en compagnie l'un de l'autre. De quoi inciter Alicia, le jeudi 1er décembre à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour rassurer leur large communauté. Vous êtes nombreux à me demander si Bruno va bien. Il va bien, il est malade. Donc voilà. Il préfère se reposer plutôt que d'utiliser son téléphone, a-t-elle assuré. Mais voilà qu'un message de Bruno posté ce 5 décembre est venu semer le trouble. Le jeune homme a expliqué d'abord qu'il avait tenu à faire une détox digitale, je m'étais donné l'objectif. Enfin l'obligation de décrocher complètement des réseaux pendant une semaine pour faire un point sur la suite. Mon futur mais également mes projets, a-t-il confessé. De plus j'étais complètement co. Exténué littéralement donc cette semaine a été ce qu'il fallait pour recharger a-t-il affirmé. Bruno a assuré qu'il était désolé si son absence avait pu inquiéter mais a juré qu'il en avait eu besoin. Je ne vous oublie pas et vous m'avez manqué a-t-il assuré avant d'ajouter, énigmatique. Le futur s'annonce incroyable, j'ai hâte de le partager avec vous. Si la publication est annonciatrice de grands changements. Les internautes se demandent toutefois si Alicia, qui n'est pas du tout évoquée dans le message, a bien sa place dans cet avenir qui enthousiasme tant Bruno. Pour le savoir, ne reste plus qu'à patienter.